Bonjour à tous et bonjour à toutes. Cette fois-ci, elle est bonne. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Before eSport. Quatrième épisode déjà. Tout à fait, ça avance. Mine de rien, ça avance bien. Écoutez, je suis très content de vous retrouver, à la fois vous, mais également, bien sûr, mes acolytes, mon acolyte Titouan, qui bonjour m'aide à présenter cette émission avec un grand plaisir. Tout à fait. Et puis, bien entendu, chroniqueur. Alors aujourd'hui, on a notre chroniqueuse, toujours là. Voilà. Ouais, comment tu vas? Bah, ça va très bien. Bonne semaine. Ouais. Il ouais, y a des choses à dire. Ouais. Il ouais, y a des choses à dire. On va en parler dans les news. Et puis, donc, on va vous parler d'un sujet auquel on a déjà abordé, mais qu'on n'a pas vraiment. On n'est pas allé au fond des choses. Parce qu'on aime bien, on aime aller au fond des choses. Voilà. On va parler de CSGO, Counter-Strike Global Offensive, qui est un jeu qui est un jeu de la première personne, dont on va expliquer, et surtout qui a la particularité d'être un vrai survivor, c'est un jeu qui dure depuis presque 15 ans et on va essayer d'analyser pourquoi en fait une telle longévité sur un jeu qui est aussi vieux, ce qui est plutôt rare dans l'e-sport, c'est même l'un des seuls. Voilà. Et pour cela, pour pouvoir mieux analyser les choses, pour pouvoir mieux en tout cas vous en présenter, on a invité quelqu'un qui est plutôt connu sur la scène française, il s'agit de Arthur alias PM, que vous avez peut-être vu sur au gaming et puis bien sûr sur dans chez l'équipe AA, c'est ça? C'est ça, exactement. Merci de m'avoir invité, je suis super content d'être là en tout cas. Ah bah c'est bien. Alors, encore mieux, quand on a les invités qui sont contents d'être là, c'est encore mieux. Bah, très bien, mais écoutez, sur ce, on va juste vous rappeler que le Before eSport et vous pouvez les suivre sur Twitch, mais bien sûr sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous faire des commentaires sur le Before B4 eSport sur Twitter et le Before sur Facebook. Voilà, on sera ravis en tout cas de répondre à vos commentaires. Si vous avez plein de questions, parce que je pense que l'e-sport, on ne peut pas parler à tout le monde, n'hésitez pas. Eh bien écoutez, on va passer maintenant aux news. Oui. Du coup, on enchaîne avec Eva, qui va nous parler, pas de Counter-Strike cette fois-ci, mais on va parler de League of Legends, parce que là, c'est chaud, ouais, en ce moment. Alors là, on est au mois le plus important de l'année, puisqu'il y a le championnat du monde qui a commencé le 7 octobre, et qui va se dérouler jusqu'au 3 novembre, donc où les meilleures équipes du monde se disputent le titre. Pour l'instant, c'est les Coréens qui sont, comme d'habitude, les plus forts, mais ça va peut-être changer année. Oui, ça a changé cette année, parce que les champions en titre, en tout cas, ne vont pas participer au... Voilà. C'est la première équipe à être éliminée, c'était les champions en titre, donc c'est un peu triste pour eux. Ouais. Voilà. Donc là, tout va jouer maintenant. Quoi. Voilà, et on a trois équipes européennes pour nous présenter. On a Vitality, G2 et Fnatic. Et Vitality, j'aimerais les mettre en avant parce qu'ils ont fait une montée en puissance cette année énorme. Et c'est la première année où ils sont championnats du monde. Et ils ont failli passer la phase de groupe. Bon, ils ont perdu contre les Américains, donc à un match près, ils y étaient dans les quarts de finale. Mais ils ont battu deux fois les champions du monde entier, du coup, et ils ont battu l'équipe qui est pressentie pour être la championne du monde, les Chinois de RNG. Donc ça fait quand même plaisir, surtout pour une structure qui est française et qui a aussi un joueur et un manager français, donc Cabochard et Clément Lapara. D'accord. Cocorico, parce qu'on rappelle que Vitality est l'une des rares équipes presque 100% française. C'est ça, la seule structure française à aller au Worlds. Effectivement, la seule structure qui malheureusement donc est éliminée. Voilà, mais c'est Américains. Quand même un super parcours, ouais, surtout que les joueurs sont très jeunes dans cette équipe, à part Cabochard qui justement maintient un peu toute cette équipe, mais voilà. Beaucoup de surprises. Du coup, qu'est-ce qu'on doit s'attendre maintenant pour les League of Legends? G2 et Fnatic, par exemple, on ne sait pas encore. Les matchs de groupe, ça va se dérouler jusqu'à mercredi prochain. Mm-hmm. Et après, on aura les playoffs et la finale le 3 novembre, toujours en Corée. Donc, on peut peut-être s'attendre à la Chine qui dépasse la Corée du Sud pour la première fois sur League of Legends. Donc, c'est vraiment une année où tout peut changer. Ouais, en Corée du Sud, en plus, ça se place au fief de l'e-sport sur League of Legends. Donc, voilà, beaucoup de choses à voir à ce niveau-là. Donc, ça va être très intéressant à suivre. En tout cas, on le suivra sur le Before, on en reparlera dans les prochaines news, hein, effectivement. Autre news que je vais vous présenter, on parlait de Vitality tout à l'heure, encore. Ils sont partout. On va parler maintenant, ils ont une équipe League of Legends, mais ils ont ici une équipe de Counter-Strike. Et je vais juste présenter donc l'équipe qui a été dévoilée il y a quelques jours. Et donc cette équipe, elle est composée donc de joueurs principalement français.
Juste reprendre voilà ma petite news. Voilà, donc ils ont présenté une équipe Fortnite, Vitality, qui était avec Gotaga. Et donc ils ont composé, donc ils ont dévoilé cette équipe Vitality, donc qui est composée donc de, alors peut-être ça n'a pas parlé forcément aux gens qui connaissent pas CS:GO, mais qui des joueurs qui sont connus en tout cas sur la scène française, oui, de CS:GO. Il s'agit donc de RPK, de Happy, de Ziwu, de Apex, de NBK et du coach qui est Philippe Rodier. Faculty, ok, bah, il n'y a pas le pseudo. Ouais. Bah, on peut l'appeler Philippe aussi. Hein. On peut l'appeler Philippe. Voilà. Et je crois que tu en connais, toi, des joueurs. Je crois que Ziwu. J'ai coaché Ziwu, j'ai coaché NBK aussi dans, il y a longtemps par contre. Ouais. Et effectivement, ils ont réussi à récupérer enfin Ziwu, qui était un peu la pépite de la scène CS depuis plusieurs années, pour toute la scène inter d'ailleurs. Mathieu a eu des offres pendant qu'il était chez AA de la part de beaucoup d'équipes internationales. Et il attendait à la fin de son bac pour se lancer dans le grand bain. Ouais, d'accord. Donc là, ça y est, il a eu son bac. Il a eu son bac. Ah bon, ça, eu son bac. C'est plutôt une bonne chose quand même d'avoir des petites certitudes au niveau scolaire. Pour se lancer dans le futur de l'e-sport. C'était la condition, elle a été remplie et donc maintenant il est joueur professionnel et il a été recruté par Vitality avec un line-up, une équipe, une composition qui nous met en joie. Ouais, effectivement, bah écoute, alors j'ai vaguement donné les noms. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler de cette équipe? Est-ce que tu les connais, toi, avant, t'en connais quelques-uns? Ouais. Tu penses que c'est une bonne composition? Est-ce que, d'après toi, avec une équipe comme ça, ça peut remporter des victoires? Alors, CS, c'est un peu comme LoL, il y a des postes. C'est un peu méconnu, mais c'est le cas. Et au niveau des postes, on a 5 joueurs qui sont très complémentaires. Il y a une originalité, c'est que NBK est le capitaine, c'est le meneur de jeu. C'est pas historiquement son rôle, mais il va s'y atteler. Il avait essayé dans le passé avec des succès mitigés, et donc il veut absolument prendre en main l'équipe en tant que capitaine. Et puis il y a une complémentarité aussi avec l'expérience des 4 joueurs qui ont vraiment à peu près tout gagné, à l'exception d'RPK qui a pas gagné de major encore, et de Ziwo qui est donc la jeunesse et la nouvelle génération. D'accord, ok. Et d'ailleurs c'est une équipe 100% française, c'est une première, hein, pour une équipe de CS:GO française. Non, pas du tout. Non. D'ailleurs sur CS on est encore beaucoup dans les logiques nationales, on a encore des compositions exclusivement polonaises, françaises, allemandes. Ça commence vraiment à changer depuis, on va dire, 2-3 ans, où on a des équipes internationales avec des mix de Suédois, d'Américains, d'Ukrainiens, de ce qu'on voudra. Mais pour l'instant, on est encore dans la tradition par langue, plus que par nationalité, puisque évidemment, les russophones, on mélange les Ukrainiens et les Russes. C'est vrai que c'est plutôt primordial de parler la même langue et de se faire comprendre dans une même équipe. Mais c'est un vrai enjeu dans les équipes e-sport, justement. Bah oui, c'est sur ça. Beaucoup de jeux, c'est un problème, quoi. Bah, ça commence à, en tout cas sur CS, on commence à voir quelque chose qui ressemble à League of Legends et à d'autres jeux où on mélange les joueurs, puisqu'ils pratiquent l'anglais, puisqu'ils ont une vie internationale où ils voyagent tout le temps, où ils sont toujours en contact avec la langue anglaise. Ils finissent par pouvoir la parler et la parler assez vite pour communiquer en jeu dans les moments assez intenses. C'est très exigeant, mais c'est aussi quelque chose qui se développe dans le bagage des joueurs, quoi, qui deviennent quasiment bilingues. Ok, très bien. Bah, écoutez, on va en tout cas souhaiter bonne chance à cette nouvelle équipe Vitality qu'on va suivre, hein, de près forcément. Oui, c'est le nouvel espoir de la scène française qui est un peu en décadence depuis quelques temps. Ouais. Et G2 n'a pas réussi à réélever, en tout cas n'a pas rencontré le niveau d'espérance et d'exigence du public, donc Vitality, on les attend avec beaucoup d'impatience parce qu'ils ont un gros potentiel et en plus c'est une structure française, donc Cocorico. Oui, Cocorico, effectivement. On parlera des autres équipes françaises juste après, effectivement. On y reviendra, mais en tout cas, bon, bah, voilà, ça faisait partie de la news française sur la scène. Une bonne news. Une excellente news, effectivement. Du coup, aujourd'hui, on va passer au fun fact. On fait ta fun fact ou je te sors Non, allez, sors-moi ta petite fun fact. Ah, ma petite fun fact, parce que moi j'aime bien, j'ai toujours des petites fun facts intéressantes. Étonne-nous. Est-ce que c'est des chiffres? Parce qu'il faut savoir que Cyril aime beaucoup les chiffres. J'aime bien dans les news faire des fun facts chiffres. Mais si tu veux, je fais pas une fun fact. Allez. Non, peut-être une fun fact que tu connais. Au départ, donc CS:GO, quand il est sorti, au départ, qu'est-ce que c'était que CS:GO?
Counter-Strike Global Offensive, qu'est-ce que c'était au départ? Tu parles vraiment de Counter-Strike Global Offensive en 2012. Qu'est-ce que c'était au départ, la base du jeu? La base du jeu, ça devait être peut-être du gun game au tout début. Oui, mais en fait, pourquoi on a fait, pourquoi Valve a fait créer Counter-Strike Global Offensive? Je vois pas où tu veux en venir. Donc je pense que tu me poses une colle. Je sais pas du tout. Tu sais pas non plus. Bah, moi aussi, j'ai du mal à voir où tu veux en venir. En fait, Counter-Strike Global Offensive était un portage de Counter-Strike Source. D'accord. Quelle console? Pour la Xbox. Pour la Xbox 360. Oui, c'est vrai. Ah oui, ça devait être. Oui, voilà. Ça devait être cross-platform. Ça devait être cross-platform. Bah, il l'avait déjà fait sur Condition Zero sur Xbox et PC. Pour l'histoire, en fait, c'est qu'au départ, quand il a été développé pour être un portage. Simplement un portage de Counter-Strike Source. Quand ils ont vu que c'était un jeu qui pouvait être un jeu à part entière, ils ont vu que c'était ça pouvait être une vraie mine d'or, ils ont fait un jeu sur PC. Et effectivement, il devait être aussi, donc du coup, cross-platform avec une autre plateforme de jeu, donc la PS3. Ouais. Et petit à petit, la PS3 a disparu des plateformes sur lesquelles on pouvait jouer Counter-Strike Global Offensive, qui reste donc un jeu qui est uniquement sur PC. Oui, ça me revient maintenant. Et c'est vrai que les joueurs PC étaient impatients de pouvoir jouer contre des joueurs consoles, puisque c'est quand même une idée criminelle pour les joueurs consoles, qui allaient être ravagés. Avec la d'une souris, c'est beaucoup plus simple. Je pense qu'ils se sont rendus compte que le cross-platform sur Counter-Strike, c'était pas possible. Pas possible. On va sortir avec Fortnite Mobile. Oui, effectivement. Ça aurait pu être un bon moyen de vendre des souris et claviers. Sony ou Microsoft pour console. Écoute, ils l'avaient déjà fait. On lance l'idée, on sait jamais. Sur un malentendu. Bah, franchement, ils avaient déjà fait ça pour Condition Zero, donc qui était cross-platform. Alors ça, à vérifier, parce que s'il y avait un online, il y avait le Xbox Live, donc c'était ça devait pouvoir se jouer, mais je suis pas sûr qu'il y avait beaucoup de gens qui jouaient à Condition Zero sur. Il y a toujours des âmes égarées sur ce genre de jeu, mais très peu. Mais voilà, écoute, je suis content parce que j'ai réussi à coller quand même avec le Fun Fact, donc c'est bien, super. J'avais oublié. Vous avez appris quelque chose. Tout à fait. Voilà. Bah écoutez, on va passer maintenant à la toute petite pause musicale, choisie par mes soins. J'ai trouvé ça et très sympa. Et qui représente bien un peu l'état d'esprit, vous allez voir, de Counter-Strike. Allez, je vous laisse écouter. Et rebonjour à tous, nous sommes toujours en direct sur VL, c'est le Before Esport. Je suis toujours avec Cyril, avec Eva et avec PM. Donc nous sommes tous ensemble ici pour parler de Counter-Strike, plus précisément de Counter-Strike Global Offensive. Mais tout de suite, on va attaquer avec le premier focus. Donc c'est Eva qui va nous faire un petit historique de la chose. Ce serait que Counter-Strike est quand même un jeu, on peut dire historique d'ailleurs, parce que ça fait un petit moment que ça dure. Je pense qu'Eva, tu vas pouvoir nous apporter quelques précisions là-dessus. Exactement. Donc l'histoire Counter-Strike, ça a commencé il y a quand même 19 ans, puisque la bêta est sortie en 99. Donc à la base, c'était un mode de Half-Life, donc ça se faisait beaucoup, les modes. C'est d'ailleurs comme ça que PUBG s'est lancé, pareil pour Dota, enfin bref. Donc ça a commencé en tant que mode, ensuite ça s'est sorti en 2000 officiellement. Et l'éditeur, c'est Valve, donc Valve avait ensuite acquis Dota et Dota 2, donc c'est quand même un éditeur qui est bien installé dans l'e-sport. Mais c'est pas Valve qui a créé, il faut être clair là-dessus. Oui, il y a des créateurs. De mode, effectivement. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc, c'est un jeu de tir à la première personne où il y a deux équipes de 5 joueurs qui s'affrontent, les terroristes et antiterroristes, qui doivent gagner des points en remplissant des objectifs, en faisant des éliminations adverses. Et sur plusieurs manches, le but, c'est de récolter aussi de l'argent pour avoir plus d'équipement. Donc, un jeu assez simple, ce qui fait que ça a attiré quand même beaucoup de monde, parce que le concept est assez compréhensible pour beaucoup de monde. Et en 2000, quand c'est sorti, les compétitions se sont organisées assez rapidement. Au final, il y a eu beaucoup de tournois en France, notamment, qui se sont organisés. Enfin, des petits tournois, c'était pas à l'envergure d'aujourd'hui. À la base, c'était plus des bandes de potes. Mais en 2001, par exemple, j'ai eu quand même le premier tournoi international des World Cyber Games en Corée du Sud. Et donc, c'était la première d'une longue série de tournois sur la version 1.3. Et donc comme le jeu était facile à comprendre et en même temps difficile à maîtriser, au niveau compétitif ça a vraiment pris. Et en 2000, c'est là que l'équipe qui a marqué l'histoire française de l'e-sport s'est créée, Good Game. Donc je sais pas, tu dois bien connaître du coup cette équipe. Et en 2003 du coup, le premier jeu de la licence a atteint sa forme finale avec la version 1.6. Et elle est restée la version du jeu la plus populaire pendant de nombreuses années, même après la sortie de Condition Zero et Counter-Strike Source. Et en 2012, il y a le dernier opus qui est sorti, donc Counter-Strike Global Offensive, donc CSGO, qui est encore le jeu
le dernier jeu qui est sorti, même aujourd'hui. Il y a encore des joueurs de 1.6. Hein. Bien sûr. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, en Asie ou dans d'autres pays comme ça, mais on en trouve aussi en Europe, en Occident. Moi, des fois, je me relance des petites parties où de Condition Zéro s'est effacé pour jouer en local. Il y avait aussi ça, faut pas l'oublier. Alors, juste une toute petite question que je vais poser à PM. Du coup, tu peux nous expliquer vraiment les différences qu'il peut y avoir entre 1.6 et le CSGO? Alors 1.6 c'est un jeu donc comme l'a dit bien très bien expliqué d'ailleurs de la part de Léa, c'est un vieux jeu parce Eva. J'ai dit Eva. D'accord, donc pardon, j'ai compris Léa. Et c'est un vieux jeu parce que bon on dit qu'il a commencé en 99, il y a eu plusieurs versions 1.3 etc, c'est sensiblement les mêmes et donc c'est un jeu avec des vieux graphismes et qui est comme beaucoup des vieux jeux quelle que soit la plateforme assez difficile à prendre en main, très exigeant dans les mécaniques de jeu, très pur en fait, c'est un jeu de puriste. CSGO est beaucoup, enfin, il est plus abordable dans les standards maintenant de 2018. Il est quand même très exigeant, mais il est plus abordable et il a évidemment des graphismes qui sont beaucoup mieux que ceux d'1.6, mais évidemment qui datent de 2012. Avec dans ce qui est du gameplay sensiblement les mêmes choses. Il y a des différences, mais qui sont notables pour des joueurs d'expérimentés. Fondamentalement, le CS du début est le CS qu'on a aujourd'hui, à quelques exceptions près. Il y a quelques armes en plus, il y a une grenade Molotov en plus qui est très tactique. Les cartes ont sensiblement changé, ça c'est sûr. Et les mécaniques de jeu sont pour un débutant franchement à peu près les mêmes. Pour un débutant en tout cas. Ok, très bien. Bon, c'était bien de faire la différence entre les deux et de voir où était la différence et pourquoi des gens continuent à jouer à 1.6, effectivement. Bah justement, CSGO au début, quand c'est sorti, ça fait un flop parce que les gens voulaient justement rester sur 1.6 ou alors Counter-Strike Source. Mais Valve va quand même pas lâcher le truc, ils ont fait plein de mises à jour et en 2013, ils ont fait une mise à jour qui a vraiment donné un second souffle au jeu, c'est quand ils ont introduit les skins d'armes. Donc il n'y a aucune incidence sur le jeu, mais c'est toujours cool d'avoir un skin et du coup les gens ont été fous directement et se sont mis au jeu en fait. Et c'est comme ça que maintenant on a carrément un commerce de skins d'armes avec des prix de revente qui atteignent des sommes hallucinantes à des dizaines de milliers d'euros. Et c'est comme ça qu'il a un peu pris ce jeu-là. Et donc depuis 2013, la scène compétitive, elle a beaucoup évolué comme, parce qu'il y a eu le boom de l'e-sport aussi en 2013. Donc les cash prizes augmentent chaque année, les salaires des joueurs aussi, toujours plus de budget, plus d'audience. Et par exemple, en début d'année, au Major de Boston, il y a un nouveau record qui a été battu, c'était le pic de spectateurs sur Twitch, qui était de 1 300 000 personnes en simultané. C'était le record total de la plateforme de Twitch. Bon, après, ça a été éclaté par Fortnite, mais on va dire que ça compte pas. Voilà. C'est bien. Et aujourd'hui, CSGO s'est tout simplement imposé comme le FPS de référence sur l'e-sport et aussi un précurseur qui a popularisé la scène e-sportive. Et en presque 20 ans d'existence, le jeu est encore très actif. Et les compétitions sont suivies par un nombre incroyable de spectateurs. Du coup, toi, ça fait très longtemps que tu es sur le jeu. Pour toi, qu'est-ce qui explique le fait que le jeu ait une longévité pareil. Franchement, je commencerai par dire, j'en suis pas tout à fait sûr. Je saurais pas l'expliquer clairement. Je peux avoir des hypothèses, mais c'est assez incroyable. Et parfois, quand on prend du recul, on peut se demander pourquoi. Le fait est que c'est un jeu qui plaît quand il est joué. Il a beaucoup plu dans le passé, donc ça crée des fans qui continuent à y jouer après. Et puis c'est un jeu qui est très plaisant à regarder et ça c'est ce qui a aussi entretenu sa popularité. Il est accessible à regarder, il a des émotions et il produit des émotions et puis il a un rythme qui est parfait pour le spectacle. Il est bien maîtrisé dans le rythme, assez naturellement on a des moments de pause et des moments d'action et on s'ennuie jamais vraiment et on ne sait pas qui va gagner jusqu'à l'extrême fin du match, contrairement à d'autres jeux comme les MOBA par exemple. Et donc ça permet d'entretenir la flamme d'un spectacle. Donc ça c'est pour la partie e-sport. Après, pourquoi les gens y jouent encore? Très franchement, je pense que les gens en tout cas en masse n'y jouent plus tant que ça. En tout cas pas en Occident, et j'ai un peu l'impression que de ce côté-là il y a des questions à se poser, puisque c'est évident que les plus jeunes joueurs vont plutôt sur typiquement Fortnite ou d'autres jeux plutôt que Counter-Strike, qui est très exigeant et qui est un vieux jeu qui a peut-être pas autant d'attrait qu'avant. Donc la flamme est entretenue, je pense, maintenant essentiellement par le sport électronique, et c'est un paradoxe puisque le sport électronique n'est pas vraiment porté par Valve ou alors du bout des doigts, et si peu. On d'ailleurs, je suis très content que Evan ne soit pas tombé dans le piège de dire que c'est CSGO qui a fait le succès de CSGO, ce qui est faux. C'est effectivement le marché des skins, donc ces habillages esthétiques pour les armes, qui ont effectivement fait perdre les pédales à pas mal de gens là-dessus, puisqu'il y a aussi des attraits de jeux de hasard vis-à-vis de ces choses-là. Oui, et c'est
ça qui a fait le succès en fait de CS. Sinon, quand CSGO est sorti, alors je dirais pas qu'il n'était pas accueilli favorablement, comme tu l'as dit, ou en tout cas, ça a mis peut-être, ça c'est vrai, un peu de temps, mais on est arrivé grosso modo, on va dire, à l'équivalent de l'âge d'or d'1.6 en 2012. Ce qui est correct, mais ce qui n'en fera pas, est-ce qu'il n'en aurait pas fait un jeu e-sport, un fleuron de l'e-sport aujourd'hui. Donc c'est effectivement les skins, et puis aussi ce qu'on appelle les majors, le circuit compétitif créé par Valve, qui a permis à CS de garder la part belle, de garder cette visibilité et donc de faire son succès, pour répondre peut-être enfin à la question. Ouais. C'est vrai, parce qu'on on peut aussi, je pense, expliquer sa longévité par rapport au... Ouais, du coup, ça me perturbe. tu dois te tromper tout à l'heure. Je voulais inventer un nouveau mot. Ouais. Sa longévité aussi, parce que je pense qu'au début, c'était, on peut pas dire le seul, parce qu'il y avait quand même des FPS, mais il y a eu un gros boom de joueurs au début, parce que je pense que c'était aussi une hype. Moi, quand j'étais jeune, tous mes potes jouaient à 1.6. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que de plus en plus de gens avaient Internet et des PC aussi. Oui, il y a ça aussi, bien sûr. Et du coup, c'est venu avec. Et du coup, il y avait plus de joueurs, plus de gens qui avaient des PC, ne serait-ce que pour avoir un PC, plus que de consoles. Donc il y avait beaucoup de joueurs sur PC, et je pense qu'après c'est comme FIFA ou PS ou voilà, des grosses licences. Une fois que t'es dans cette grosse licence, que tu sais que ça fonctionne, tu trustes un peu, tu crois en cette licence là et qui est très bonne, et c'est pour ça que tu vas rester aussi au fur et à mesure sur ces années là et en plus Valve, comme tu le disais très bien, ils ont aussi ils ont mis tous les majors, donc derrière ça va maintenir aussi cette communauté que ne fait pas forcément par exemple Call of à côté, ou en tout cas moins bien. Et je pense que c'est aussi par rapport à ça, tu me dis si je me trompe, hein, mais je pense que c'est aussi par rapport à cette hype en fait du début, qui a permis à CS de rester aussi haut maintenant dans le cœur des gens. Oui, c'est ça, c'est multifactoriel, effectivement, il y a plein d'éléments qui font le succès de CS aujourd'hui, et maintenant la question peut-être c'est de savoir, enfin je sais pas si on abordera la question, mais est-ce que ça peut encore durer, puisque ce qui a fait le succès hier est là, et donc est-ce qu'on n'est pas arrivé à un plafond, est-ce que ça peut encore monter davantage, donc on fait des beaux scores sur Twitch, on peut s'en vanter, et on s'en vante. Sur CS, on aime beaucoup le faire, mais pour autant, moi ce que je crains, c'est qu'il n'y ait pas de renouvellement de la base de joueurs. Ce qui est important, c'est qu'il y ait des joueurs qui pratiquent, qu'il y ait des jeunes joueurs qui pratiquent et qui donc s'intéressent. C'est comme dans les fédérations sportives en fait. Si personne ne fait d'escrime, à la fin, effectivement, l'escrime va s'écrouler et ainsi de suite. Donc pour CS, c'est pareil. Et là, le fait est que Valve a agi par le passé, un tout petit peu, mais fondamentalement, quand on les compare à d'autres éditeurs de jeux comme Blizzard notamment ou Riot, ils sont quand même très très loin du niveau d'investissement de ces entreprises. Ils investissent beaucoup plus sur Dota que sur Counter-Strike. Oui, on avait remarqué, effectivement. On est les orphelins du sport électronique. Ouais, on en avait parlé sur Blizzard, c'est vrai que comparé à Blizzard, il n'y a pas le même niveau d'investissement. Non, c'est en parfait, tout cas pour vous avez fait mon focus, voilà. L'attitude de Valve. Mais du coup, voilà, je voulais faire un enchaînement. Ce que je voulais dire justement, c'est que la semaine dernière, on a parlé de Blizzard et on a vu qu'ils aimaient vraiment avoir la main mise sur leur jeu, donc ils investissent beaucoup, mais ils contrôlent aussi beaucoup ce qui se fait, alors que Valve est connu pour laisser un peu ses jeux faire, enfin la communauté évoluer toute seule en fait. C'est le Far West. Voilà. Et Dota justement, c'est un peu le jeu qui chouchoute le plus en termes de e-sport, c'est là où ils font le plus de changements chaque année, mais CSGO, ils ont un niveau d'intervention assez peu élevé justement. Donc ils investissent beaucoup d'argent dans les majors. Donc ils ont, en 2016 par exemple, ils ont monté tous les cash prizes $1 million, et puis il y a aussi tous les déplacements organisés, etc. Mais ils laissent une grande liberté, notamment aux organisateurs de compétitions comme ESL, qui sont un peu tout seuls à faire vivre les autres compétitions. Et Valve a eu plusieurs années pour structurer l'e-sport justement sur son FPS, mais maintenant que les bases ont été posées, il y a peu de changements sur la scène. Donc il y a un côté positif parce que la communauté n'est pas bridée pour réaliser des projets. C'est comme ça que par exemple en LAN en France, on a encore pas mal de tournois CSGO et ça revitalise un petit peu la scène amatrice française. Alors que par exemple Blizzard, c'est plus compliqué forcément de faire des LAN parce qu'ils ont envie de tout contrôler. Mais d'un côté, on sent une frustration chez les professionnels qui aimeraient voir plus de nouveautés à la fois sur le jeu et sur la scène compétitive. Et du coup, on se demande si est-ce que ça va finir comme TF2, Team Fortress 2, un jeu qu'ils ont un peu abandonné, ou est-ce qu'ils vont un peu faire comme Dota 2 et un peu reprendre le truc en main dans les prochaines années, on ne sait pas. Est-ce que toi, du coup, t'as un peu dit ce que t'en pensais, mais pour le futur, est-ce que tu penses qu'ils vont un peu plus investir ou faire des changements profond dans la scène compétitive? Alors moi j'ai toujours été le vilain petit canard de la scène française là-dessus, puisque je râlais quand tout le monde adorait Valve pour ses actions. Moi je disais, regardez ce qui se passe ailleurs, c'est rien, on mérite mieux.
Il y a beaucoup d'argent. C'est parce qu'il faut. Je me place à leur place. Enfin, je vois bien qu'il y a de l'argent à se faire pour eux. Hein. Je suis pas non plus fou au point de penser qu'ils nous doivent quelque chose. Mais je vois que pour eux, il y a un intérêt. Et c'est pas exploité. Donc, pour comprendre déjà comment on en arrive là, il faut savoir que Valve, c'est une entreprise très particulière avec une culture d'entreprise très spécifique. C'est leurs employés ont un temps de 100% dans leur projet personnel. C'est-à-dire que quand on arrive, l'employé fait ce qu'il veut, il place son bureau où il veut et il travaille sur les projets qu'il choisit. C'est pas caricatural, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et donc, par exemple, pour l'anecdote, à la pause, il y a quelques années, et c'est encore souvent le cas, les employés de Valve, ils jouent à Dota. Ils jouent pas à CS. Et donc, évidemment, si on aime bien Dota, on préfère travailler sur Dota. Mmh. Et donc, ça peut déjà donner un élément de réponse sur le pourquoi Valve a abandonné CS. En tout cas, ne s'investit pas autant que sur Dota. Pour ce qui est donc de l'actualité et du futur, sur ce qui moi j'attends en fait que Valve agisse. Ensuite, la nature de l'investissement, ça c'est ouvert au débat, et je serais déjà content de les voir s'intéresser à CS et créer un circuit ou faire quelque chose continuer à structurer, à sous-traiter, puisque alors ESL fait beaucoup de tournois, mais ils sont loin d'être les seuls. Il y a beaucoup de tournois en même temps sur CS. On est asphyxié par le spectacle et c'est très confus puisqu'il n'y a pas de circuit comme les LCS ou comme l'Overwatch League. Il n'y a pas d'off-season aussi, c'est ça? Il n'y a pas vraiment d'off-season, il y en a une de facto. Elle dure à peine un mois, c'est souvent en août, mais fondamentalement, elle est là parce qu'à un moment donné, tout le monde doit souffler, quoi. Mmh. Oui, c'est sûr. Les organes doivent trouver à avoir des vacances, et puis les joueurs aussi. C'est un des effets pervers d'ailleurs de cette liberté qui fait qu'au final, les gros joueurs de CS:GO vont plus aller sur des tournois qui sont où il y a les plus gros cash prize. C'est ça. Voilà. Et du coup, ils sont obligés de faire des choix, oui. Ils sont obligés de faire des choix, et du coup, les petits tournois qui n'ont pas forcément des gros cash prize, mais qui peuvent pourtant offrir un beau spectacle, ne peuvent pas, du coup, vraiment faire de scène. Après, c'est une bonne et une mauvaise chose parce que ça permet peut-être aussi à des joueurs locaux de se montrer un peu et aussi d'avoir des chances par exemple de choper des sponsors parce que tu gagnes un tournoi, ou ne serait-ce de se montrer un petit peu. C'est un point très très juste, c'est un point d'ailleurs apprécié par les joueurs semi-pro et on va dire pro mais du bas, où effectivement, contrairement à Overwatch League ou au LCS, bon, il y a maintenant le Challenger en dessous et tout ça, mais il y a comme un gap, il y a comme un désert en fait. Il y a les pros et ils sont sur un piédestal, et en dessous on sait pas trop ce qui se passe, et en fait il y a peut-être pas grand chose tout court. Sur CS, on a un beau dégradé de niveau semi-pro, petit pro, très très grand, etc. Et on peut donc naviguer et trouver son trou, faire son trou comme ça à peu près à tous les niveaux, et donc ça c'est très bon pour les joueurs. Le problème c'est que pour la visibilité et pour le spectacle, c'est très confus. Ça en fait beaucoup. Et donc moi, par exemple, en 2014, je m'attendais à ce que je voyais tout le monde se placer, tous les organisateurs se placer, faisaient leur tournoi, et je m'attendais en fait à ce que la loi du marché fasse son œuvre, la main invisible à la con là, qui évidemment va faire que ceux qui n'ont pas réussi à creuser leur trou vont être éliminés. Et en fait, les organisateurs se maintiennent, puisque dans l'e-sport, j'avais oublié ça, mais tout le monde est dans une phase d'investissement. Donc tout le monde est à perte. Mais il y a des injections et des levées de fonds qui se font, qui permettent, et aussi par rapport à Facebook et YouTube, qui investissent dans le streaming, et ça permet à des orgas qui ne font pas forcément des vues grandioses de faire des tournois qui sont très bien organisés, très beaux, et qui demandent beaucoup d'investissement, alors que leurs vues sont, on va dire, moyennes. D'accord. Très bien. Et écoute, je pense qu'on va pouvoir parler un peu plus précisément de tout ça, et peut-être aussi plus particulièrement du cas de la France dans le deuxième focus. Mais avant, du coup, je vais vous poser une petite question, une petite colle, encore une petite fun fact. Petite fun fact. Alors, en fait, est-ce que vous savez, parce qu'on parlait du marketplace, est-ce que vous savez quel est le skin le plus cher vendu sur Counter-Strike? C'est toi qui parles chiffre du coup. Ouais. Oui, t'as vu ça, on a changé nos rôles. Sachant que c'est en... Je peux tout de suite vous dire que c'est en milliers de dollars. On peut taper tout de suite dans le haut du niveau. J'irais 3000. Oh. Non, c'est plus. Plus. Alors, 20 000, non ouais, ça peut peut-être monter jusqu'à, je dirais, 17 000. Faut voir, ouais, 17. Alors, moi, ce que j'ai, c'est beaucoup plus, mais après, je suis pas sûr que ça soit vendu. C'était suite à une inflation, j'ai 100 000 dollars. Tu l'as vu sur le Steam Market avec le... Avec l'inflation, ouais. Donc, c'était un couteau. Donc, il a dû être vendu. Bah écoute, je ne savais pas. Alors, je suis pas très pointu sur les skins, même pas du tout en fait. Donc, c'est possible. Bah après, je peux vous donner la référence, c'est le Karambit Case Arden Factory New. Donc, c'est un couteau, et ce qu'il faut savoir, c'est que les skins de couteaux sont les
ceux en fait les plus chers en général, et ceux des AWAP aussi qui montent aussi assez cher avec les AK-47. Et voilà, donc je ne sais pas, faudrait vérifier si c'est vendu. C'est vrai qu'il est 100 000 $, mais je veux dire, pourquoi 100 000 en fait, collectionneur. Après il y a un gros il y a un gros gap entre celui-là et ceux d'après qui sont beaucoup plus autour des 15 000. Il y a un énorme gap. Je pense que celui-là ça devait être vraiment un unique de fou. Mais c'est vrai que normalement ça tourne autour des 10 000 et ça se vend beaucoup autour des 10 000. Ouais. Ça se vend beaucoup. Il y a beaucoup de d'argent à perdre, c'est pas possible. Bah c'est de la collection, hein. C'est comme les timbres ou d'autres choses, j'imagine, et ça prend des proportions incroyables. Et d'ailleurs c'est assez méconnu, j'ai l'impression, dans le monde du gaming et de l'e-sport, parce que on a parlé par exemple de Star Wars Battlefront et des dérives avec ses caisses et tout ça. Ouais, les loot box, totalement sur CS, ça fait des années que les gens ont furieusement perdu les pédales. Les gens, mais sur PUBG ça devient la même chose aussi avec les Chinois qui sont à fond. Outre ça, c'est que ça devient un business en fait. C'est pas pour rien que ça s'appelle le marketplace. C'est que les gens, il y a des sites web qui gagnent leur vie juste en prenant des pourcentages des ventes. C'est la bourse. Et avec des jeux à hasard aussi. Et comme tu dis, en fait, comme c'est du Far West, que Valve s'en fiche totalement. Alors là, du coup, ça a changé ça. Ah, ça a changé. Ça, parce qu'évidemment, donc ils sont fait allumer par la justice américaine. Il y a eu des plaintes puisque ça concerne en fut. Il y a aussi des sites de gambling, donc de jeux de hasard. On va pas le détailler, mais voilà, faut retenir jeux de hasard, et ça concerne évidemment des mineurs puisque c'est un jeu vidéo et puisque sur internet c'est difficile de contrôler l'âge des gens. Et évidemment les juges américains, je pense qu'il y a eu des juges d'État fédérés qui ont allumé Valve, et donc Valve s'est coupé de tout ça en modifiant leur API pour plus qu'on puisse joindre son compte Steam à des sites de Paris ou à des sites de jeux de hasard. Et ils ont vraiment coupé net, parce que là ils sont très exposés légalement. Ah bah oui, ils sont pas le choix. Et ça, c'est une tendance de plein de pays différents, même en Belgique, il y a eu les mêmes problèmes. Là, c'est une entreprise, hein, vraiment. Le gros souci, c'est que c'est vrai que ça touche des jeunes joueurs, parce que je me souviens qu'il y avait aussi des cas de streamers qui avaient été traduits en justice, parce que justement, en fait, ils n'étaient pas au courant que c'était des sites de gambling, en fait, parce que du coup, ils streamaient du CSGO et disaient allez voir cette page, vous allez voir, voilà. Et en fait, voilà, il y a eu des petits soucis. C'est vrai que Valve a coupé court à tout ça. Alors il y a eu aussi le fait qu'ils connaissaient les résultats de l'algorithme des jeux de hasard en avance, et donc ils savaient quand est-ce qu'ils allaient gagner. Ah oui, là c'est chaud. Voilà, notamment Phantom Lord, hein, qui vient de League of Legends, comme quoi nous les CSR, ça nous serait jamais arrivé, il fallait vraiment quelqu'un d'étranger vienne faire ce genre de... On est parfait, nous, tu vois. D'une probité inégalable. Bien, et bien on va passer du coup au second focus dont tu vas nous parler, Titouan. Ah oui, cette fois-ci, c'est moi. Alors, voilà, oui, c'est toi. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas fait de focus. Hein. C'est vrai, ça fait longtemps. Donc moi, je vais. Tu vas nous parler donc de Counter-Strike Global Offensive en France. CSGO en France. Je compte aussi sur PM pour m'épauler là-dessus. Je pense non. je pense que tu es beaucoup plus au fait que moi. Donc comme tu te démerdes. Voilà. Comme tu disais, Eva, donc CSGO est sorti en 2012, donc on a pu voir effectivement qu'il y a eu un petit début assez difficile, avec après donc au fil des années, à partir de 2013 où le jeu s'est vraiment lassé, il y a eu un pic de joueurs, donc là pour le coup je parle en France, il y a eu un gros pic de joueurs donc en 2015, mais c'est en France, mais c'est aussi dans le monde, hein, bien sûr. Et après, donc on a eu une petite baisse en 2016, et maintenant ça reste très constant en fait jusqu'en 2018, jusqu'à ce moment. Donc au final, on peut voir que les joueurs depuis déjà pas mal d'années sont toujours très présents sur la. Tu parles des joueurs français là. Je parle des joueurs français. C'est quoi ta source? Je suis curieux parce que ça s'appelle Jeux Online. C'est des. Parce que pour préciser, ce sont des chiffres non officiels suite à des comment ça s'appelle? Des sondages. Des sondages, voilà, de joueurs eux-mêmes. Et donc c'est assez intéressant. D'ailleurs, si vous voulez aller voir, ça référence à peu près tous les jeux en fonction des gens qui répondent, bien sûr. Jeux Online, c'est un des plus gros sites de jeux en ligne en France. D'accord. Et donc voilà, il y a eu une petite baisse seulement en 2015, mais sinon ça reste assez constant, c'est assez intéressant. Et après, du coup, j'avais trouvé la part des âges des joueurs, donc c'est assez intéressant. Donc, déjà, ce qu'il faut noter, c'est qu'il n'y a presque pas de joueurs en dessous de 15 ans. Après, normalement. On n'a pas le droit de jouer au. Enfin, en tout cas, à mon époque, on n'avait pas le droit de jouer. C'est un jeu qui reste de jeux de terroristes et contre-terroristes, donc moins de 15 ans, c'est. Ouais, mais il est déconseillé. Avant, il était déconseillé. Pas une interdiction. Voilà, c'est ça. Oui, effectivement, monsieur, mais pourquoi ça t'inquiète? Ça m'inquiète parce qu'il n'y a pas forcément de générations qui vont prendre le relais. C'est vrai. Et donc, moi, j'avais cette question vis-à-vis de CS, mais en fait, vis-à-vis de l'e-sport en général, est-ce qu'il n'y a pas des ruptures générationnelles?
puisque c'est lié à une technologie et à un jeu. Sur LoL, on a le même, il y a le même truc qui est là. Sur tous les jeux, en fait. Sauf peut-être sur Fortnite. Et imaginons que le sport soit demain sur une réalité virtuelle. Quand je dis demain, c'est peut-être après-demain, en fait. Ça veut dire que les enfants, nos enfants, joueront à un e-sport qui ne nous parle pas. C'est pas celui qu'on a connu. Il y aura un gros clivage du coup. Et il y aura un clivage et donc il y aura pas de. Parce que sur un sport traditionnel, bon, tout le monde joue au foot, du petit-fils au grand-père, il n'y a pas trop la question à se poser, ça fait un siècle que ça dure à peu près. Mais sur les jeux vidéo, ça bouge tellement vite qu'il y a une génération qui en fait est collée à son jeu et ça empêche peut-être de grossir la communauté à la base. Quoi. Donc avec la technologie, tu penses que l'e-sport est générationnel vraiment ? Je m'interroge. Je m'inquiète. C'est à voir parce que du coup, je vais continuer avec les petits chiffres et je pense qu'on peut faire un parallèle avec les chiffres qu'on avait vus sur les gens qui regardent. Entre les joueurs et les gens qui regardent, c'était pas la même chose parce que du coup on a 28% aussi de joueurs entre les 25-29 ans et 32% entre les 18-24 et donc il y a presque pas de joueurs dans les 45-50 ans, vraiment presque pas, c'était de l'ordre de 1% et donc on a une moyenne de 27 ans du coup, ce qui est assez âgé au final on est plutôt dans la moyenne pour ce qui est de l'e-sport, mais au contraire par rapport aux chiffres qu'on avait vus sur les jeux les plus regardés sur Twitch, donc c'était de la semaine dernière pour le coup, baromètre, on avait une grosse part en fait de gens de plus de 45 ans qui regardent, oui. Donc au final c'est vrai que par rapport aux joueurs je pense qu'il y aura un clivage. C'est Sport, c'est ça, hein? Oui, c'était baromètre Francis Sport, effectivement. Oui. On a des bons chiffres, ouais. Après, c'était le baromètre Francis Sport et c'était aussi le... C'est-à-dire qu'il faut regarder en fait sur quoi ils se basent, ils ont fait des catégories qui sont très inclusives. Oui, c'est vrai aussi. Mais pour la consommation, en général, c'est à peu près toujours les mêmes critères. Donc ça, je pense, c'est assez fiable. Ça se retrouve. Je pense que c'est moyennement fiable. C'est fiable. Les chiffres sont justes, mais c'est les catégories qu'il faut prendre comme elles le sont et qui sont très inclusives. Voilà. Donc du coup, t'es plus ou moins d'accord avec ces avec chiffres, le baromètre. Quoi. Ouais. Il correspond pas à la réalité que je vis dans l'e-sport et dans le game. Donc moi, je veux bien qu'ils disent ça et je sais que leurs chiffres sont justes. Je sais qu'il n'y a pas d'arnaque là-dessus, mais ils ont fait des catégories qui peut-être ne transmettent pas la réalité des professionnels du sport électronique. En tout cas, peut-être pas la mienne. Du coup, c'est une opinion très personnelle. Non, mais bien sûr, mais c'est intéressant. Pour toi, qu'est-ce que tu vois plus justement au niveau des catégories d'âge? Quand on dit que donc c'est quoi, les plus de 35 ans, ça représente un tiers, c'est ça? Ouais. C'est la majorité. Ouais, je me dis, on bourre le moule. Là, c'est mort. Déjà, c'est non. C'est pas possible. Genre, c'est pas l'e-sport que moi je connais, c'est pas celui que je vis quand je me déplace en LAN ou quand je regarde ce qui se passe sur Twitch. C'est évident que c'est pas ça. Mais peut-être que en fait, c'est pas une majorité silencieuse qui se déplace pas en LAN. Non, parce qu'en fait, faut regarder les catégories et ils ont dit que dès que tu regardes un jeu vidéo, t'es un consommateur d'e-sport. Donc oui, évidemment. Ça plus du streaming du coup. Tout le monde est e-sportif. Il n'y a pas la distinction entre le gamer casual qui est un amateur et le e-sportif qui c'est quand même un pratiquant ou quelqu'un qui regarde la compétition sur les jeux vidéo. Moi je ferais la distinction. Eux ont été plus inclusifs, c'est leur choix, mais il faut le savoir. Oui, d'accord. En gros, eux, ils pensent que ils mettent dans le panier quelqu'un qui regarde l'e-sport, quelqu'un qui regarde du stream, mais pas forcément des tournois. Ouais, d'accord. Tous les résultats. Je comprends. Et du coup, j'ai quelques autres petits chiffres. Donc, moi, j'ai regardé pour aujourd'hui. Actuellement, CSGO est 9e au classement des jeux les plus regardés sur Twitch en termes d'heures. Parce que le premier, actuellement, c'est Black Ops 4. Call of Duty. L'appel du devoir. Black Ops 4, du coup, c'est 850 000 heures à peu près de regarder pour CSGO, et on est à plus de 6 millions pour Call of. Et du coup, est-ce que il y aurait peut-être potentiellement un même public qui viendrait, je parle de gens qui regardent sur Twitch, est-ce qu'il n'y aurait pas des gens qui partiraient du coup sur Black Ops 4 plutôt que continuer de regarder du Global Offensive? Bah là, j'ai pas de baguette de sorcier, il faudrait vraiment avoir des outils statistiques pour répondre à la question. C'est une question qui se pose tout le temps en ce moment dans le sport électronique, les transferts d'audience, la création d'audience, est-ce qu'on a la somme nulle, etc. Blablabla. Je ne sais pas trop quoi te dire là-dessus. Enfin, sur ce que tu cites, c'est Black Ops vient de sortir. Il y a un effet. C'est à la mode. CS, c'est un vieux jeu, et puis c'est un vieil e-sport. Et CS n'est regardé que lorsqu'il y a de la compétition. Call of l'est regardé lorsque les gens jouent de manière amatrice complètement, même si Shroud est très fort, il va jouer sur des serveurs publics. CS ne vit pour les spectateurs qu'au travers de la compétition. D'accord. Et en plus, il faut savoir, et ça c'est oublié à chaque fois parce que tout le monde prend les chiffres que de Twitch,
CS pour survivre est parti sur Facebook avec ESL, puisque tous les organisateurs de tournois sont dans le rouge. Ils trouvent des deals pour s'améliorer. Donc Facebook pour ESL, YouTube pour Faceit, qui est Faceit, c'est très CS, personne ne connaît si tu connais pas CS. Et donc il y a des compétitions en dehors de Twitch qui sont diffusées très régulièrement, tous les jours, mais qui ne sont pas sur Twitch et qui ne sont pas donc comprises dans les chiffres que tu cites. C'est vrai. Et je pense que c'est très intéressant de le dire parce que outre ça, CS se classe quand même toujours dans un top 10 voire top 5 plus du coup ce qui n'est pas pris par Twitch. Donc en fait, malgré ces chiffres, il faut pas non plus se voiler la face. En fait, il reste beaucoup de viewers à prendre en compte sur d'autres plateformes. Et c'est vrai que ça serait intéressant de venir croiser toutes ces données. Mais du coup, ce que tu disais, c'est assez intéressant. Il y a moins d'audience sur des joueurs, par exemple, qui vont juste être casual et streamer comme un Fortnite ou n'importe quoi. Du coup, CS, c'est vraiment de la compète qui va attirer du monde. Exactement. Il n'y a pas la culture chez les spectateurs de regarder des gens faire ce qu'on appelle de la solo queue, c'est-à-dire de la compétition amatrice, comme tout le monde, lancer le jeu et faire des matchs comme ça avec monsieur tout le monde. Ça, c'est très développé sur la plupart des jeux, surtout sur les Battle Royale. Et sur CS, c'est tout l'inverse. De temps en temps, il y en a. Voilà, il y a quelques gens qui font ça. Ils ont des audiences assez modestes. Quand les pros jouent, ils mobilisent l'audience tout de même, mais ça reste anecdotique puisque les pros ont d'autres choses à faire, ils doivent s'entraîner et participer aux compétitions. Donc on est hyper dépendant des compétitions sur CS, on est peut-être l'e-sport l'un des plus purs qui soit, puisqu'il n'y a même plus de spectacles amateurs ou d'entertainment comme c'est le cas sur d'autres jeux dans le gaming. Donc c'est vrai que du coup les chiffres Twitch sont d'autant plus biaisés parce que par exemple du Fortnite, ça va comptabiliser énormément les joueurs qui eux stream du casual et tous les jours, alors que là CS c'est vraiment que de la compète. Donc c'est vraiment intéressant de voir ça. Et en parlant de compète, en France on a quelques tournois. On a eu par exemple le Montpellier Esports Show qui a été, désolé de le dire, un échec. On a aussi des petits tournois par exemple qui ont été lancés par la PMU avec des cash prizes quand même à 50 000 euros. Oui, je l'ai commenté. Qui était assez intéressant. Et bien sûr, on a aussi la DreamHack donc qui se déroule les à Tours. Marseille et Tours. Ah, ouais, il y a Marseille. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et du coup, le Lyon eSport aussi. Mais du coup, Lion. Alors, la Lyon eSport ne fait plus de CS de mémoire. Ah bah voilà. La dernière, on ne faisait plus en tout cas. Bah voilà, parce qu'ils font Fortnite. Ça fait déjà. Et voilà. Et bah dommage. Donc voilà, au final, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément non plus beaucoup de tournois en France. Est-ce que ça serait pas. En tout cas, de gros. Oui, parce que là, tu cites les meilleurs, les plus gros stands, mais il y a énormément de LAN françaises qui font du CS et depuis très longtemps. Ça se fait par des associations, c'est des bénévoles qui se mobilisent pour organiser ça. C'est épuisant, ça demande des moyens alors qu'ils n'en ont pas. Et donc, quasiment tous les week-ends, sans exagérer, il y a une LAN de. Là, il y a Valenciennes par exemple ce week-end. Oui, voilà. Et puis, on peut trouver une petite LAN, je sais pas, dans un coin, Orléans, on peut à la Tour, j'en sais rien. Tout est possible. D'accord. Très bien. Bah, tu t'avais terminé du coup au niveau des chiffres. Bah écoute, moi j'aimerais en parler pendant des heures, mais c'est vrai qu'on commence à être un petit peu short au niveau temps. C'est très intéressant. En fait, moi je trouve ça très intéressant la CNCS parce que c'est une communauté en fait. Voilà, comme tu disais, c'est des LAN, il y en a tout le temps. Et comparé aux gros tournois, du coup, limite les gros tournois sont forcément intéressants pour le tour. En fait, t'es obligé quand tu fais un tour sur ton jeu, t'es obligé d'avoir des gros événements. Mais au final, Counter-Strike se joue vraiment sur les LAN. C'est vrai que la scène Counter-Strike est l'une des scènes modèles, en tout cas en termes de communauté et en termes de vivacité. Auquel en fait l'éditeur ne fait rien et pourtant c'est une scène qui marche très très bien. Imaginez si l'éditeur faisait quelque chose. Non mais voilà, c'est ça. C'est que derrière on a d'autres jeux effectivement où les éditeurs sont obligés de faire des choses, de prendre en main la scène, d'investir et ils rament quoi. Enfin, pour certains, ils galèrent. Alors que là, Counter-Strike, en faisant rien, la scène est incroyable. Ils font pas rien. Ils ont fait quand même. Ils ont fait des choses, mais ça n'a rien à voir avec ce que fait Riot ou ce que fait Blizzard. Mais là, en ce moment, en tout cas. Ouais. Et ce qu'on voit dans les autres e-sports, c'est que tout le monde est porté par l'éditeur du jeu. Nous inclus, CS quand même, ça a été relancé par l'éditeur du jeu. Faut pas non plus faire le malin. Mais aujourd'hui, c'est pour moi inimaginable d'avoir une scène e-sportive sans un investissement important de l'éditeur du jeu. Et on voit d'ailleurs qu'avec un investissement très important, il y a des artefacts qui sont créés dans l'e-sport parce que fondamentalement, si l'éditeur du jeu n'avait rien fait, il n'y aurait pas eu grand chose de base, quoi.
quoi. Et puis sans e-sport, CSGO ne serait pas aussi joué qu'aujourd'hui. Donc, oui, petite c'est blague. Quelque chose dont ils doivent prendre soin. Joli jeu de mots avec Artifact. Avec c'était pas intentionnel. Est-ce que, du coup, tu as une petite fun fact? J'ai une fun fact, je voulais y arriver. Très rapidement. J'ai une fun fact très rapide et assez marrante. Est-ce que vous saviez que il y avait une seule voix à la radio qu'on entendait dans le jeu Counter-Strike avant? Ouais, je crois que c'est la voix d'un des créateurs du jeu. Ouais, ouais, effectivement. Je sais plus si c'est Guzman ou autre. Non, c'est Jeff Cliff qui faisait la voix de la radio. Et donc depuis Counter-Strike Global Offensive, eh ben, y a plus cette voix, il y a d'autres voix différentes. Oui, il y a des traditions qui se perdent, et encore une fois, c'est la faute de Valve. Voilà, sur ce beau mot, je pense qu'on peut, clore cette émission sur c'est la faute de Valve. La semaine dernière, c'était Blizzard, c'est bien, là c'est la faute de Valve. Non, on va pas dire ce genre de choses. Mais bon, en tout cas, merci du coup PM d'être venu. Ouais, merci. Merci Eva aussi d'avoir fait un magnifique focus. C'est très bien ton focus. Hein. Voilà. Merci. Non, vraiment, c'était surpris parce que on est un peu sur notre île sur CS et avoir un inside là-dessus, avoir un. C'est intéressant parce que justement, moi, je suis toujours passé à côté de cette scène et c'est vraiment un alien. C'était très bien fait. C'était très juste et pointu, donc très appréciable. Voilà. Bah sur ce, vous pouvez nous retrouver la semaine prochaine pour de meilleurs focus d'Eva encore très pointus. Vous pouvez aussi retrouver sur les juste moins après. Bons jeux, par contre. Voilà. Forcément. Juste après, vous pouvez retrouver Hyperlink. D'ailleurs, je serai dans l'émission, donc restez là, s'il vous plaît. Parce que voilà, vous m'aimez bien tout ça. Vous pouvez surtout nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc Before Esport pour Twitter et sur Facebook le Before Esport. Est-ce qu'on peut aussi te retrouver sur Twitter, je pense? On peut, oui. Donc quel est ton Twitter? PMLeek, PMLeek. Voilà, donc vous pouvez suivre PM pour vous tenir au courant de toute l'actualité CS. Je pense que tu dois relier ça. Il faut le faire. Ça devient une nécessité quand même. Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas où regarder Counter-Strike, finalement, on l'a pas dit. Sur un PVCS. Sur Twitch. Ah, d'accord. Voilà. Moi, c'est bien, ça va. Et bah voilà, maintenant vous pouvez tout de suite vous connecter sur Twitch, regarder un PVTS. Ah, pas tout de suite, mais bientôt. Bah non, il y a Hyperlink, donc voilà. Hyperlink tout de suite, effectivement. Sur ce, les amis, je vous dis merci à tous. À la semaine prochaine. À la prochaine. Ciao. Ciao.